Alors, nous allons aborder une deuxième partie de notre émission qui concerne l'actualité culturelle. Nous avons assisté récemment à la montée de la nouvelle génération musicale. Voilà, nous ne pouvons pas ne pas citer quelques noms. Il y a Kaya Woto, il y a Amzi, qui ont fait le plein de quelques grandes salles au Burkina Faso et qui promettent vraiment une autre tournure en fait à notre musique. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que ça promet à notre musique? Quel doit être le comportement de ceux qui ont emprunté ce pas-là pour que notre culture puisse briller de ses mille feux ici et ailleurs? Ah, je suis très heureux que nous revenions là-dessus. C'est un bonheur total de voir notre culture et surtout la jeunesse prendre la relève en fait de cette culture. Et ce que je remarque, c'est que beaucoup sont fiers de promouvoir leur culture. Je prends par exemple la langue. La langue, c'est le véhicule de la culture, de toute culture. Et quand je regarde ces jeunes qui essaient de faire une poétique dans la langue, qui consultent aussi les anciens, parce que la plupart là, chaque fois quand je les entends, ils font la promotion non seulement de la culture, mais ils n'oublient pas qu'il y a eu des dépensiers. Donc je suis content que ces artistes-là aient le courage qu'ils ont actuellement d'affronter l'adversité. L'adversité justement de ce monde artistique. Voilà. Le manque de moyens, les critiques acerbes. Voilà. Et il faut savoir aussi que lorsque les critiques fusent, ces critiques doivent être quelque part un tremplin pour la piste de s'améliorer. Lorsque ces critiques semblent être infondées, ça doit être un garde-fou. La piste doit voir ça comme un garde-fou. Voilà, là où on m'attend, qui n'est pas forcément bien, c'est un lieu que je ne dois pas justement atteindre. C'est un niveau que je ne dois pas atteindre. Ce sont des garde-fous. Voilà ce que les mélomanes justement exigent de moi. Je dois travailler à arriver à ce niveau-là. Ces critiques ne sont pas forcément, quel que soit le niveau, d'où est-ce que ça vient, ça ne doit pas être mal pris, ça doit être accepté pour améliorer ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Parce que l'artiste, le meilleur des artistes, c'est celui qui répond non seulement au désir justement des mélomanes, mais aussi qui sait s'exprimer en tant que lui. Ce qu'il est et ce qu'il veut. Il peut plaire à quelqu'un, il peut déplaire, mais qu'il lui-même se sente dans l'art qu'il est en train de faire. D'accord. Alors, nous avons également assisté, et nous avons parlé de cette nouvelle génération, mais il y a les aînés qui sont là. Nous avons assisté à la sortie discographique de quelques aînés, en des personnes de Flo V, l'album Mwenso et de Sowop de Alif Naba. Et récemment, il y a eu la présentation aussi de l'album de Smarty. Donc, nous voudrions revenir dessus parce que sur les deux premiers, il y a eu des critiques acerbes comme quoi certains n'ont proposé que ce qu'ils ont l'habitude de proposer. Et que pensez-vous de ces critiques-là? Et que pensez-vous en profondeur de ces œuvres qui ont été présentées? Merci. Je voudrais revenir sur l'œuvre de Flo V, Mwenso. Je pense que Flo V, c'est une confirmation de notre musique identitaire. La plupart des Burkinabés exigent un artiste identitaire, c'est-à-dire qui puisse porter la culture burkinabé pour que, quel que soit le lieu, le point du monde où il serait, qu'on puisse reconnaître la musique burkinabé. Et voilà, je pense qu'il y a certains artistes qui nous font cet honneur. Flo V, parce que Flo V va sonner quelque part dans ce monde, tout le monde reconnaîtra que c'est la musique burkinabé. Pourquoi? Parce qu'il utilise non seulement les rythmes, les rythmiques, même si ça a été modernisé, ceux qui connaissent le Wire, le Wenra, le Porlé, savent que ce sont ces rythmes-là qui sont utilisés, améliorés dans les studios, à connaissance de cause, pour aussi enlever justement notre culture à la culture justement universelle. Il y a aussi le message fondamental que
flow be when no so fast. Je pense que ce message n'est pas en fait compris. Si vous connaissez la culture Moara, vous saurez que les difficultés de la société ou des ménages sont le plus souvent gérées en fait par des chants. Les femmes au moulin chantent ce qui n'a pas marché dans la nuit avec son mari. Sur la route justement de la fontaine, les femmes vont créer des chants le plus souvent pour reprocher à une coépouse un comportement ou à un mari un comportement. Ce sont ces astuces-là que Flowy a su adopter et dompter dans la musique en les modernisant. Et si vous écoutez les messages, pour comprendre ces messages, il va falloir justement repartir à ces cultures-là pour aller les comprendre. Je prends par exemple une de ses chansons qui dit Bawyarba. Flowy revient, Bawyarba là. Ça signifie quoi? Si tu es tellement jaloux, il reproche justement aux épouses et aux époux d'être trop jaloux. Si tu es trop jaloux, ça peut gâter le foyer. Si tu es trop jaloux, ça peut indisposer justement ton vis-à-vis. Alors, quand les femmes veulent justement critiquer leur mari, ils disent, bon, pour savoir si je suis honnête ou pas, mais en revenant justement de ma sortie, il faut venir mesurer. Il faut dire tout simplement que ce n'est pas quantifiable. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut en fait connaître. Il faut tout simplement avoir une confiance en son vis-à-vis, à son époux. Voici des messages qu'il passe subtilement pour nous demander justement d'avoir justement confiance dans les couples pour pouvoir éviter justement les mésententes et les critiques. D'accord. Il y a Sowoko et puis il y a dernièrement l'album de Smarty. D'accord. Pour Sowoko, lorsque j'écoute Sowoko de Alif Nava, j'ai l'impression d'écouter Francis Cabrel. Alors, Francis Cabrel, que nous connaissons, qui est une vedette de la musique française. Non seulement l'instrumental, je parle de l'instrumental de Sowoko, ceux qui savent ça, l'instrumental qui est là, qui a été travaillé, et le message, la subtilité du message me laisse encore penser justement à nos berceuses des temps antiques. Ce sont des berceuses que Alif Nava chante tout en nous charmant. Il passe un message qui nous reste et qui ne peut pas se démoder. C'est un message social, c'est un cri du cœur. Alif Nava, c'est en fait une critique. Il critique en même temps la société qu'il peut en fait utiliser. Il peut utiliser en même temps ces critiques-là pour en faire des chansons. En l'écoutant, on a tout simplement un plaisir des oreilles, mais aussi un comportement à changer. Et je pense que ce sont des artistes à encourager. Et il faut tout simplement que les Burkinabés les poussent et que les promoteurs culturels les amène là où ils ne sont pas encore arrivés, et vous verrez que désormais le monde sera compté avec nos artistes burkinabés. Parce que ce qu'ils proposent, c'est de taille. D'accord. C'est d'une grande qualité. Un petit mot sur Smarty. Smarty, nous l'avons toujours suivi. Smarty, c'est un artiste aussi d'une poétique très rare. Une poétique très rare, et aussi, c'est une critique de notre société. À travers la poétique, Smarty a su aussi nous faire passer souvent les pilules les plus difficiles, ou souvent les messages que chacun de nous a à travers justement la gorge et qui ne pouvait pas sortir parce qu'on avait peur, on ne pouvait pas. C'est aussi un artiste qui sait évacuer son amertume par rapport à le biais en fait de ses chants et de sa poétique. D'accord. Quand vous écoutez ce qu'il nous propose, déjà, je pense que c'est quelqu'un qui a décidé de laisser derrière lui ce qu'il a traversé pour créer un univers de bonheur. Un bonheur qu'il va travailler justement à promouvoir à travers son comportement et aussi à travers ses chansons. D'accord, nous tirons vers la fin de cette émission, de ce numéro de l'entretien culturel. Avant de conclure, vous êtes enseignant et en même temps artiste.
Comment vous alliez en fait les deux métiers? Le métier d'enseignant me procure quelque part les qualités de la poétique de mes chansons. C'est grâce justement à l'enseignement que j'arrive à produire des textes, voilà, à produire en fait des critiques pour les porter justement dans mes chansons. Et j'ai dit aussi que ça m'aide parce que souvent il a dit que à travers un cours, je prends par exemple le cours de la poésie, j'amène toujours ma guitare, je distrais mes élèves à travers justement la chanson et je leur inclus en fait des messages qui n'auraient pas peut-être retenu si ce n'était pas dans la chanson. Voilà. En même temps que nous enseignons, bon, je pense que l'enseignement c'est un tout, c'est une éducation. J'essaie aussi d'éduquer à la culture burkinabé et de rendre fier mes élèves d'avoir une culture simplement, d'avoir une vie culturelle au-delà justement des études. Donc ça, c'est une page gênante d'être enseignant et artiste. Ce qui me manque, c'est souvent le temps. Voilà. Le temps de passer justement de festival à festival ou de manifestation culturelle à autre. C'est ça qui me manque. Mais je pense qu'il faut tout simplement ménager son temps pour que les deux puissent trouver justement leur place. Je crois qu'avec vous, Yonav, Jean-Pascal Navaloum, nous allons reprogrammer notre émission parce que nous n'avons pas épuisé totalement ce que nous voudrions dire aux téléspectateurs qui nous suivent sur Burkina Culture TV. Vous êtes enseignant et certainement écrivain. Et comme c'est la culture burkinabé qui prime ici, nous allons vous inviter encore sur ce plateau les fois à venir pour en parler. Et si vous avez un dernier mot, sinon nous allons conclure l'émission. Le mot que j'ai, c'est un mot de remerciement. Merci de m'avoir permis de m'exprimer, de me présenter. Merci au PDG du studio, MZ. MZ, de nous avoir donné ce local d'expression. Notre souhait, c'est que tous ceux qui nous suivront puissent soutenir la culture burkinabé à travers MZ, à travers Burkina Culture TV, par peut-être le matériel, voilà, leur soutien et aussi leur promotion, voilà, de quelque sorte que ce soit. Ce que j'ai à dire et merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. Nous revient à Culture TV et à MZ. Merci beaucoup. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons, les artistes et tous ceux qui veulent promouvoir la culture burkinabé, à passer sur notre plateau et à nous appeler sur les numéros qui vont s'afficher pour pouvoir passer à l'émission afin d'aider notre culture à se faire connaître ici et ailleurs. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de l'entretien culturel. En attendant, portez-vous bien, prenez grand soin de vous. Au revoir.